Bonjour ami Taureau et bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2022. Alors, on va commencer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre mois, les taureaux. Taureau, décembre. Taureau, on a le diable et la roue de fortune. Donc ici, on a un gros succès matériel et financier, les taureaux. Donc peut-être ça va être un mois où vous faites beaucoup de chiffres d'affaires. Peut-être si vous êtes, je ne sais pas moi, dans le domaine de la restauration, ce genre de choses, par exemple, hôtellerie-restauration. C'est qu'un exemple, bien sûr. Bon, en général, le décembre, c'est un gros mois pour beaucoup d'entreprises. Donc ici, on nous parle, c'est vraiment l'énergie générale de votre mois, c'est ça. Après, c'est peut-être pas que par le travail. Le succès matériel peut arriver de plein de manières, parce que la roue de fortune, ça peut être un coup de chance aussi. Donc on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir ce que ça nous dit d'autre. Allez, pour les taureaux, pour décembre, s'il vous plaît. Taureau, nous avons la tempérance, le page de coupe et le 5 de bâton. Alors, la tempérance, on vous dit en fait qu'il va falloir rester calme. C'est-à-dire qu'il y a des situations où peut-être vous serez tenté de perdre votre sang-froid et là, il va falloir rester zen en fait face à ce qui arrive et également trouver un équilibre parce que peut-être pour certains, certaines, vous allez avoir beaucoup de choses à faire mais on vous dit de vous souvenir qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les loisirs, l'amusement, le repos pour vous tout simplement. Hein. Enfin voilà, il va falloir trouver un équilibre entre ces deux chose, entre responsabilité et loisir, on va dire. Le page de coupe, on voit peut-être le début d'une idée, d'un projet, le début d'une relation aussi, ou de sentiments pour quelqu'un. Peut-être un projet créatif qui va commencer à arriver vers vous. Enfin, vous allez avoir une idée, ouais, ou commencer à concrétiser un projet. 5 de bâton, on voit des disputes, des mésententes, des désaccords. Ça peut être familial, sentimental, professionnel, peu importe, c'est vous et d'autres personnes, il y a un groupe de personnes, une équipe ou une famille, hein. On n'est pas d'accord, ça crée quelques tensions, quelques conflits. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur la tempérance, on a le carrefour. Alors, peut-être pour certains, c'est une étape de vie qui va commencer. Ou se terminer, enfin, c'est souvent les deux en même temps, un choix à faire, une nouvelle possibilité, une nouvelle direction à prendre. Ça pourrait être par exemple que vous êtes bientôt à la retraite ou que vous allez commencer un nouveau travail, une nouvelle relation. Enfin, c'est une étape importante. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolée. Donc ici, j'avais pris sur le page de coupe, on a la sexualité. Donc ça pourrait être une relation naissante qui commence par un flirt. Mais ça, la sexualité représente aussi la créativité, une grande créativité. Alors, continuons sur les disputes ici. Le retard. Ah, peut-être un retard dans un projet ou dans quelque chose qui cause des conflits ici. Carrefour, on a le temps. Alors quelque chose, on vous dit, qui peut prendre encore un certain temps. Ou au contraire, qui peut être rapide. Je crois qu'en fait, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. C'est-à-dire que le temps est votre allié. Il est à votre service et ce n'est pas l'inverse. Donc à vous de voir. Peut-être en fait, vous allez prendre une décision pour avoir plus de temps à vous. Parce que vous avez consacré beaucoup de votre temps et d'énergie, par exemple, à la vie professionnelle ou à un domaine de votre vie en particulier. Ici, on a une discussion importante, d'accord, à propos donc d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi de mettre les choses au clair avec un flirt et de dire, bon, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers quelque chose de plus sérieux, par exemple? Peut-être. Après, ça peut être aussi pour la création d'un projet. Pour le retard, nous avons l'instabilité dessus. Donc, retard dans un projet, dans quelque chose, obstacle. C'est plusieurs personnes qui décident en même temps ici. Vous, ça vous crée une instabilité, donc elle peut être émotionnelle,
Elle peut être physique, dans le sens que votre corps est malade ou fatigué. Ça peut être aussi mental, dans la tête. On ne se sent pas bien à cause de cette atmosphère de conflit, de désaccord. Ici, sur le temps, nous avons l'amitié. Peut-être un projet aussi avec des amis ou de nouvelles amitiés qui arrivent. Ici, on a la correspondance. Donc, on va parler, la discussion aura lieu plutôt par correspondance, hein, téléphone, mail, message, peu importe. Et ici, oui, c'est dans le domaine professionnel qu'on a des retards, de l'instabilité, des soucis, des désaccords avec d'autres personnes. En fait, c'est comme si ça augmentait votre inquiétude, votre stress. Voilà. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre ? L'amitié, on a la boussole, donc un changement de direction, un changement de cap qui vous amène vers de nouvelles personnes ici. Ici, on a la loupe, donc une situation à examiner, quelque chose sur lequel il faut réfléchir à propos d'une nouveauté. Donc, nouvelle relation, nouveau travail, nouveau projet, nouvelle étape. Et ici, nous avons le choix. Donc oui, hein, c'est un choix à faire, mais comme ça ne dépend pas que de vous ou que vous n'avez pas le contrôle sur tout, ça pose un souci là au niveau professionnel. On peut aussi avoir des chemins qui se séparent pour des associés ou des choses comme ça parce qu'on n'est plus d'accord. On ne va plus dans la même direction. Alors, continuons. On va regarder avec le petit jeu de la voyante quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Bon, ça nous fait beaucoup de cartes. On va quand même les prendre. Allez. Donc ici, on nous parle d'un triomphe rapide et complet. Donc le temps est une notion de rapidité ici. Succès, honneur, financier, accroissement de fortune, avec les amis, il y a quelque chose de bien qui se passe ce mois-ci, grande réussite. C'est surtout basé sur la carrière, hein. De toute façon le thème de votre mois, vous, c'est surtout financier, matériel, professionnel. Hein. Ici, on nous parle de mélancolie, petits soucis. On peut avoir, comme on vous a dit, des disputes entre des personnes de la famille, des amis, dans le travail. Peut-être vous travaillez avec des personnes de votre famille aussi, c'est possible, ou des amis. On vous dit que ce sera suivi de réconciliation, mais bon, ça ne va pas être agréable sur le coup et ça va vous inquiéter. On nous parle aussi d'un message pas très agréable, de reproche d'une personne peut-être amoureuse de vous, de la lettre d'une personne chère qui pourrait causer une déception ou de l'inquiétude et du souci. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui devait venir vous voir à Noël et puis il ne pourra pas, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous voir mais vous n'en aviez pas envie. Ça, c'est possible aussi. On dit que ça pourrait être une proposition malhonnête dans le domaine professionnel. Ah oui, ça pourrait être quelqu'un qui vous fait des avances aussi pour obtenir quelque chose. Hein. Attention, on vous dit proposition malhonnête, donc attention. Ou ça peut être tout simplement qu'on vous annonce, comme je vous ai dit, les retards, les obstacles, les contretemps, les imprévus ou des soucis pour la santé d'un proche. Ici, nous avons le voyage et les démarches, donc il va falloir faire des déplacements pour régler peut-être une situation. On vous dit qu'il y aura de bons résultats par rapport à ce voyage ou à ces démarches, ces déplacements. Peut-être que vous avez quelque chose à régler. Ça peut être un voyage d'affaires et vous allez réussir à négocier ou à obtenir ce que vous vouliez. Ok, les taureaux, alors voilà pour la voyance. Maintenant, on va regarder un petit peu avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les taureaux ? Taureaux, taureaux, taureaux pour décembre. Quels sont les messages ? Alors, eh bien, nous avons le chakra racine qui est ressorti, ça ne m'étonne pas, le chakra donc couleur rouge, racine, vous pouvez le voir sur cette petite illustration, il est ici, donc c'est le chakra qui vous fait vous sentir ancré à la terre, c'est le chakra également de la vie matérielle, de la prospérité, des fondations solides, de l'enracinement, de l'abondance. Donc ici, pour vous, j'ai l'impression que vous gérez bien c'est votre élément en plus, la terre, hein. Chakra, ce chakra est lié à l'élément terre. Vous le gérez bien, mais
y a peut-être un déséquilibre dans le sens qu'il est trop actif. C'est-à-dire que vous mettez tout sur ce domaine, l'abondance matérielle, financier, le travail, parce que ça vous crée, vous avez besoin d'une sécurité et vous la recherchez là-dedans, mais vous oubliez que la vraie vie ne dépend pas que de ça. Que ce qui est important aussi, c'est d'avoir du temps de qualité avec les gens que vous aimez, ou du temps pour vous, tout simplement, le temps de faire des choses que vous aimez autres que dans la vie pro. Voilà. Donc je pense que là, c'est surtout ça. Vous êtes peut-être suractif à ce niveau-là. Ça peut vous rendre peut-être un peu matérialiste, ou peut-être que vous êtes entêté. Vous pouvez être possessif dans vos relations. Vous voyez, ça peut créer ce genre de choses. Bon, alors, on va continuer un peu avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, on en a eu deux. Donc, taureau, abondance sur ton chemin. Ouais, ça paraît évident là, ce mois-ci. Hein. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Donc, attention, ça peut être l'argent. Mais comme je vous ai dit, l'abondance, c'est beaucoup de choses. Ça peut être aussi énormément de temps, si vous en aviez besoin, pour vous reposer par exemple. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc voilà, acceptez ce qui vient vers vous, parce que même si vous ne l'avez pas souhaité, dans votre inconscient, vous avez dû le souhaiter malgré tout, parce que vous en avez besoin. Pour certains, comme je vous ai dit, ça peut être du sommeil tout simplement. Pour d'autres, ça peut être passer du temps avec votre famille. Enfin, vous voyez, ça peut être un tas de choses. Hein. Mais il y a aussi l'argent. Alors ici, on vous dit « tu es soutenu dans l'invisible ». Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Ouais. Donc quelque chose, peut-être une situation qui peut se débloquer, hein, que vous attendiez. Je sais pas, moi ça peut être qu'on attend de vendre un bien immobilier, par exemple. Et ça arrive plus vite que ce que vous pensiez, vous voyez. Il y a ce genre de surprise aussi. Ça peut être de rencontrer quelqu'un, ça peut être de se réconcilier avec les gens qu'on aime. Enfin voilà, il y a plein de choses. Allez, je continue avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, les taureaux. Taureau. Taureau, on vous dit se reconnecter à la nature. Ouais, peut-être besoin de passer du temps dans la nature, les taureaux. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ouais, il y a peut-être besoin d'une pause ici. Hein. Ok, donc si vous en avez l'occasion, en décembre, les taureaux, essayez d'aller faire un tour dans la nature, que ce soit pour pêcher, pour randonner, juste aller dans la forêt, enfin peu importe, mais essayez de faire ça. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Alors, je vais regarder un peu le sentimental avec l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les taureaux pour décembre? Taureau, décembre, s'il vous plaît. Hop. Alors, ici, il y a une personne qui vous dit « construire avec toi ». J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ouais, donc vraiment peut-être quelqu'un qui va vouloir du sérieux avec vous, ou vous avez peut-être déjà cette personne à côté de vous. Hein, et c'est quelqu'un qui n'envisage pas de faire des projets sans vous. Et là, on a une personne qui vous dit « patiente encore un peu ». Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Ça pourrait être cette personne avec qui vous vous êtes disputé, hein, vous allez vous disputer. Pour moi, là, il y a deux cas de figure différents, il y a deux personnes différentes. Alors, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour, quels sont les messages pour les taureaux pour décembre. Ok, alors celle-ci a sauté du tas. Je pense que l'illustration est déjà explicite. Ici, on vous dit saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes cinq sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec des saveurs de l'amour. Bon, pour beaucoup d'entre vous, là, il y a une aventure ou une vie sexuelle épanouie, en tout cas. Ça nous parle beaucoup de ça aussi, là, ici. Hein. Alors, je continue
avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ouh. Alors, taureau, décembre. Taureau, décembre, un message. On va le faire à la coupe. Le guide. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une personne près de vous. Donc attention, ça peut être dans un couple, mais pas seulement. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial. Une personne qui est très importante dans votre vie. Et votre contrat d'âme, c'est que cette personne soit votre guide ou que vous soyez son guide. L'un guide l'autre. Il y en a un qui a plus de maturité spirituelle que l'autre. Et cette personne-là, en fait, elle vous est indispensable. Vous avez fait un contrat ensemble pour que vous ayez plus de sagesse. Il y a une personne dans votre vie qui représente la sagesse et vous l'admirez pour ça. Et cette personne, elle vous remet un peu... Peut-être vous avez beaucoup les pieds sur terre, mais peut-être un peu trop. Et elle, elle vous emmène dans le spirituel. Peut-être que parfois, elle vous dit, mais il ne faut pas chercher à tout contrôler. Parce que il y a toujours un plan. Tout se passe toujours bien. Tout ce qui arrive à nous, c'est toujours bon pour nous. Enfin, vous voyez, ces leçons un peu comme ça de foi, de sagesse. Quand peut-être vous perdez les pédales, cette personne, elle vous remet dans le droit chemin, on va dire. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu et si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un très bon mois de décembre.